Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai la joie de partager avec vous la parole du jour tirée des Actes, chapitre 4, verset 12. Voici ce que dit cette parole. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. Voici une affirmation qui est vrai, qui est solennel, que Pierre, dans sa prédication, nous donne. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité qu'une personne soit sauvée en dehors de Jésus. Il y a ceux qui disent que par l'intermédiaire peut-être des mains des ancêtres ou de morts ou d'autres médiums, nous pouvons atteindre Dieu. Faux et archi-faux. Il y a ceux qui pensent que par certaines personnalités bibliques telles que Abraham, telles que Moïse, telles que Jacob, d'autres personnages dans même le Nouveau Testament, Paul, Pierre, Marie, ou je ne sais pas quel autre nom. Mais il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est unique en son genre. Pourquoi Jésus est unique? Pourquoi seul Jésus peut nous sauver? D'abord, de par sa naissance. Il est né d'une vierge. Sa naissance a été prédite plusieurs siècles avant. Sa vie était une vie exceptionnelle. Il n'a jamais commis de péché. Il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il n'a pas péché, mais il a accepté de prendre notre place pour mourir sur la croix de Golgotha, pour que nous soyons sauvés. Selon la pédagogie divine, de la même manière que le premier homme, Adam, a péché, et il devrait être châtié, il devrait connaître le jugement de Dieu, il fallait qu'un autre Adam, qui représente l'humanité, mais cette fois-ci, celui qui n'a jamais commis de péché, puisse accepter de mourir pour que la justice divine soit satisfaite, de telle sorte que le pardon soit possible. Et le seul qui a satisfait à ses exigences, c'est Jésus de Nazareth. Il est mort sur la croix de Golgotha. Son sang est différent des sangs des boucs et des agneaux qui étaient immolés dans l'ancien temps par les sacrificateurs. Lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sang de Jésus ôte les péchés. Le sacrifice des taureaux, des boucs couvrait les péchés. C'est pourquoi ce sacrifice était répétitif. Mais Jésus ôte les péchés. Il est entré une seule fois dans un tabernacle qui n'a pas été fait des mains d'hommes. Il est à la fois sacrificateur et sacrifice. Il est mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Qui est ce leader qui soit mort comme Christ et qui soit ressuscité? Personne. Voilà pourquoi Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. C'est impossible. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Peut-être qu'on t'a dit, il faut passer par un marabout, par un médium. Non, seul Jésus peut te sauver. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. C'est impossible. Toi qui m'entends, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il n'est pas encore tard. Tu peux reconnaître que tu es pécheur. Tu peux ouvrir ton cœur et dire, Jésus, je crois en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Si tu fais cette prière, tes péchés seront pardonnés. Tu vas changer d'identité. Tu vas commencer une nouvelle vie. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Que Dieu te bénisse.